Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je t'aime, fidèle amour, je t'aime, fidèle Seigneur. Que Dieu nous bénisse, et nous qui sommes là déjà ce matin, nous bénissons Dieu. Merci, shalom à toi qui es déjà connecté, branché. Que Dieu te bénisse, merci pour ta présence. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, merci. Merci, 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 merci pour son amour. Merci pour sa fidélité, merci pour ses compassions dans ta vie et surtout dans la mienne. La Bible nous dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. La Bible déclare que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, Dieu a renouvelé ses compassions dans ta vie comme dans la mienne. Et c'est pour cette raison que nous sommes très contents. J'aime ce que David dit, le matin tu attendras ma voix. Alléluia. C'est comme s'il était en train de lancer un défi à Dieu. Il dit à Dieu, oui, je t'ai dit que le matin, tu attendras ma voix. Le matin, Dieu doit attendre ta voix, bien aimé le Seigneur. Il attendra ta voix, il va attendre ta voix. Alléluia. Nous sommes là pour que Dieu puisse attendre ta voix ce matin, bien aimé le Seigneur. David a dit, le matin, tu attendras ma voix. Le matin, tu attendras ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux te tourner vers Dieu? Est-ce que tu peux avoir le regard sur Dieu? Nous bénissons Dieu pour ce beau cadre, pour ce beau moment que nous voulons passer une fois de plus dans sa présence, car il est écrit, il est doux et agréable pour nous, deux frères et sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme une huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe des Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne des Sion, car c'est là que l'Éternel Dieu envoie la bénédiction, c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. Toi qui es déjà branché, toi qui es déjà connecté, partage la vidéo, et que Dieu te bénisse. Shalom à toi, papa Fabrice. Shalom, maman Félidor. Shalom, maman Kouloutou. Maman Cécile Bawa, que Dieu te bénisse. Maman Shekina, que Dieu te bénisse. Yakarel, nous bénissons Dieu pour ta présence ce matin. Drôle chic, généreux, que Dieu te bénisse. Papa Pierrot Kalala, que Dieu te bénisse. Maman Catherine, que Dieu te bénisse. Ya Johan Kabedi, que Dieu te bénisse. Voilà, nous bénissons Dieu pour ce beau moment. Je dis bonjour à toi, Mustapha Fana. Je dis bonjour à toi, Mama Odette Abobo. Que Dieu te bénisse l'église des Liège. Que Dieu bénisse toute la divine alliance. Que Dieu bénisse le corps du Christ. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence. Hier, nous avions commencé, ou avant-hier, je crois, nous avons commencé un enseignement qui est très important. Alléluia. Où nous parlons de malédiction, de malédiction et de bénédiction. Nous avons dit, à travers de cet enseignement, il était important que nous puissions comprendre. Shalom à toi, papa Sédou. Ah, maman Sédou, s'il te plaît. Papa Didier, maman Sédou. Shalom à toi. Shalom à toi, maman Sédou. Que Dieu te bénisse. Donc voilà, donc nous sommes en train de parler de malédiction. D'accord? Donc la délivrance de malédiction. Et donc c'était important que nous puissions prendre le temps de comprendre c'est quoi une malédiction, c'est quoi une bénédiction. Alléluia. Donc nous avons pris le temps et nous avons compris ensemble. Et qu'il y a certaines personnes que nous disons ils sont bénis, en réalité ils ne sont même pas bénis. Alléluia. Nous avons défini la bénédiction ou le fait d'être béni par Dieu. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui associent la bénédiction aux richesses. Il y a tellement de gens qui vont dire, ah non, celle-là, vraiment, elle est bénie. Pourquoi elle est bénie? Ah, parce qu'elle a une poste de responsabilité, parce que Dieu a permis qu'il puisse avoir une certaine équilibre financier dans sa vie. Mais à travers de cet enseignement, nous avons compris une chose, qu'il y a beaucoup de riches, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont riches et prospères, mais qui ne sont pas bénis. Et nous avons compris aussi qu'il y a de pauvres qui sont bénis et de riches qui sont maudits. De la même manière, il y a des pauvres qui sont maudits et des riches qui sont bénis. Alléluia. Donc voilà, donc bien aimé le Seigneur, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. C'est quoi être béni? Nous avons dit que quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est reconnu et accepté par Dieu.
Lorsque Dieu te connaît, lorsque Dieu t'accepte, c'est à ce moment-là qu'on dit de toi que tu es une personne bénie. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis. Alléluia. Lorsque Dieu nous accepte, lorsque Dieu nous agrée, en ce moment-là, nous sommes bénis. Ne sois pas impressionné par les richesses, parce que quelqu'un il roule carrosse, parce que quelqu'un il a de la richesse. Ah non, tu dis de cette personne est bénie. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu ensemble dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17 à 20. Le disciple revenant de la mission qui leur avait été confiée. Ils étaient en train de se réjouir. Oh Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Mais les démons même nous ont été soumis à ton nom. Bienvenue dans le Seigneur, les démons doivent se soumettre au nom de Jésus. Tu as dans ta bouche un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et à ce nom, bienvenue dans le Seigneur, les démons doivent se soumettre. Alléluia. Les esprits têtis, ils doivent se soumettre. Bien-aimés dans le Seigneur, continue jusqu'à ce qu'ils finiront par se soumettre. Ne lâche pas la prise. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir. Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir. En fait, Dieu s'étonne. Parfois, il y a certaines choses qui nous arrivent, Dieu y demeure. Mais pourquoi ça doit lui arriver? Parce que je lui ai donné le pouvoir. Ce qu'il a à faire, c'est quoi? C'est d'exercer simplement son autorité. Alléluia. Donc, c'est se mettre sous l'autorité du croyant et de commander à ses problèmes de partir. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas intervenir parce que Dieu croit que le pouvoir, il te l'a déjà donné et c'est à toi de opérer. Alléluia. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur, cette citation-là, ce n'est pas Dieu. Si c'était Dieu, il allait déjà descendre. Mais c'est ta responsabilité. Tu as tout ce qu'il faut pour que cette chose-là change. Tu as tout ce qu'il faut pour appeler ce dossier là où le diable a été emprisonné et que ce dossier-là puisse sortir. Nous devons être capables, bien aimé dans le Seigneur, nous passerons de moments où nous allons opérer avec le soleil. Il y aura des prières comme ça, nous allons dire aujourd'hui, nous allons opérer avec le soleil. On commence la prière, on donne des ordres au soleil et le soleil va exécuter. Oh bien aimé dans le Seigneur, quand on commencera ce genre de prière, les gens vont nous taxer des sorciers. Je t'assure, ils vont nous taxer des sorciers, mais je voulais te dire que nous sommes plus que les sorciers. Alléluia. Nous sommes capables de coopérer avec le force surnaturel et leur commander de faire certaines choses pour nous. Tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je vous les donne. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Il n'est pas retourné avec le pouvoir que Dieu lui avait confié. Il n'est pas remonté avec son manteau. Il a laissé son manteau et son manteau est descendu sur nous. Exactement comme c'était avec Élisée et Élie. Mais pour nous, il a donné avec amour. Il a donné avec amour, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Jésus parlait à ses disciples et dit, je voyais Satan tomber du ciel. Quand vous étiez en train de le chasser, je le voyais tomber du ciel comme un éclair. Mais ce qui est plus important, Jésus dit à ses apôtres, il dit, la joie c'est quoi? Ce n'est pas simplement parce que les esprits vous sont soumis, non. La joie, c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bien aimé dans le Seigneur, savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est ça le plus grand plaisir. Alléluia. Nous avons le nom qui sont inscrits dans le livre de vie. Dieu a inscrit ton nom dans son livre et personne ne pourra l'effacer. Aucun démon, aucun sorcier, aucun, bien aimé dans le Seigneur. La sorcellerie de ta belle famille, même si ta belle famille n'est pas d'accord avec toi, ils ne pourront rien changer de ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire pourquoi ils n'aiment pas ta présence. Simplement parce que déjà, dans leur programme, ton mari ne devait pas se marier. Donc, il devait servir la coutume, il devait servir les esprits des familles. Voilà, donc c'est pourquoi, depuis déjà, il était jeune, on avait déjà planifié une femme pour elle, pour lui. Et cette femme-là était une vraie sorcière, d'accord? Qui devait accomplir le dessein ancestral dans la vie de ton homme. Alors, quand tu as rencontré ton mari, c'est pour cette raison que sa famille n'a jamais été d'accord. Donc, voilà, donc tu es venu détruire le programme maléfique de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur? Dieu t'a envoyé dans la vie de cet homme-là avec une mission.
Alléluia. Donc Dieu t'a mis avec cette personne-là pour que ce soit à travers de toi que Dieu puisse délivrer cet homme. Alléluia. Oh, tu te plains, tu te dis, il y a trop de problèmes. Oui, exactement, il y aura beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que le diable veut que tu puisses lâcher prise, que tu abandonnes, bien dans le Seigneur. Et dès que tu as abandonné, lui, il aura maintenant le temps de venir introduire son agent dans la vie de ton homme. Et la vie de cet homme-là va être détruite. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable opère, bien dans le Seigneur. Il n'a pas changé ce méthode. Le diable, il n'a pas changé. Il n'a pas évolué avec ces méthodes. Donc, ces méthodes sont restées quasiment la même. Alléluia. Oh, malheureusement, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Il a détruit beaucoup de vies et il continue encore à détruire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler de malédiction. Nous disons, il y a ce que nous appelons la malédiction. Et la malédiction, bien aimé dans le Seigneur, donc, nous avons vu le cas de Lazare qui était pauvre mais béni. D'accord, tu es pauvre, mais tu es béni. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Vous savez, moi, je ne demande pas l'argent aux gens. Je suis une de ces rares hommes de Dieu qui ne t'appellera pas pour te dire, donne-moi 50 euros, donne-moi 100 euros. Même lorsque je n'ai pas, yaya, je ne te demanderai pas. Je garde ma valeur, je garde mon charisme. D'accord. Donc, si Dieu te touche et que tu me bénis, je dis merci Seigneur Jésus. Mais je ne veux pas me rabaisser pour implorer ta miséricorde. Donne-moi, non, yaya. Dieu pourvoit à mes besoins selon sa richesse avec gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être pauvre, mais tu dois savoir qu'à cause de ta pauvreté, tu enrichis les autres. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons les autres. Alléluia. Dieu peut permettre que je puisse passer par la sorcellerie, par la pauvreté. Mais l'apôtre Paul a dit, nous sommes pauvres. Alléluia. Mais nous avons enrichi beaucoup. Alléluia. Nous sommes pauvres, mais nous avons enrichi beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien, mais dans le Seigneur? Et dans leur pauvreté, ils ont enrichi beaucoup de gens. Dès Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Alléluia. Attristé. Alléluia. Attristé. Comme attristé. Et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà donc que nous pouvons être attristés par un moment. Nous sommes comme pauvres, mais en réalité, nous enrichissons beaucoup de gens à travers de nos prières. Combien de gens ont été bénis? Combien de gens, bien-aimé dans le Seigneur, ont été délivrés? Combien de gens ont expérimenté la main de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, la pauvreté n'est pas une malédiction. Oh my God, ça j'aimerais enseigner mon père. Parce que j'ai entendu mon père me dire que la pauvreté est une malédiction. Non, la pauvreté n'est pas une malédiction. Dieu peut permettre qu'un de ses enfants soit pauvre. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a de pauvres qui sont bénis. Il est pauvre, mais il est béni de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et là, nous sommes en train de parler de malédiction. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de malédictions. Mais là, nous allons nous arrêter avec cinq types de malédictions. La première de malédiction, ce sont des malédictions que nous avons parlé hier. La malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il nous a créé, il nous a placé dans le jardin. Il nous a placé dans le monde. D'accord? Dans ta famille, Dieu t'a placé. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, tu dois te détourner du péché et tu dois le servir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit, la femme a été trompée par le serpent. Elle a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Et elle en a donné aussi le fruit à son mari. Son mari aussi en a mangé. Et après, Dieu est venu, bien aimé dans le Seigneur. Je dis, la malédiction, c'est une mauvaise parole. Quelqu'un dit avec moi une mauvaise parole. Quand on dit que quelqu'un est maudit, c'est quelqu'un sur qui on a déclaré de mauvaises paroles. C'est pourquoi tu dois faire très, très, très attention avec ce que tu dis de ta bouche. Alléluia. Écoutez-moi bien, mais dans le Seigneur, surtout toi, ma sœur, surtout toi, ma maman, Kouloutou, tu dois faire très attention à ce que tu dis à tes filles. Tu dois faire très attention, même si tu sois en colère ou tu ne sois pas en colère, que tu sois d'accord avec Charline, que tu ne sois pas d'accord, que tu sois d'accord avec Tracy, que tu sois d'accord avec Gracely, que tu ne sois pas d'accord, tu dois faire très attention avec ce qui sort de ta bouche. Que tu ne sois pas d'accord, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais fais très attention. Écoutez-moi ce que la Bible nous dit. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 10. Alléluia. De la même
bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Ah non, tu vas voir. Si tu ne rentres pas dans cette maison, tu vas mourir. Non, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas déclarer de mauvaises paroles sur ton mari, même s'il va découcher, même s'il va avec une autre femme. Toi tu n'es pas là pour le maudire, parce que le diable va se servir de tes paroles pour détruire la destinée de cet homme. Et une fois que cette destinée sera détruite, c'est qui va souffrir de veuvage? Alléluia. Fais très attention à ce que tu déclares. Alléluia. Lorsque surtout vous avez des avis différents, donc lui là, elle pense autre chose, toi tu penses autre chose, tu dois faire très attention. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Écoute ce que nous dit la Bible. Qu'une sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise, qu'une sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Les gens doivent être contents de t'attendre. Quand tu parles, les gens disent « Oh, waouh, elle aime, oh, j'aime bien écouter. » Vous savez, il y a certaines personnes, quand tu l'entends parler, ça te donne des frissons. Alléluia. Tu as envie qu'elle continue à parler parce qu'elle parle tellement bien. Alléluia. Or, il y a d'autres personnes, bien-aimé dans le Seigneur, quand elle te met à parler directement, tu n'as pas envie. Il y a certaines personnes, quand elle parle, tu fermes les yeux. Tu n'as pas besoin de voir son visage. Tu n'as besoin que d'atteindre sa voix. Elle parle, et toi, tu es tellement content, bien-aimé dans le Seigneur. Ce genre de personnes, quand tu ne l'as pas entendu toute une semaine, tu as mal. Tu as envie de prendre le téléphone et de dire, comment tu vas, ma soeur? Alléluia. Mais toi, quand on t'appelle, oui, allô, c'est qui? Alléluia. Même l'administration, quand ça t'appelle, allô, c'est qui? Oh non, monsieur, non, je ne suis pas monsieur. Yaya, une femme, c'est une femme. Une femme, quand elle parle, elle met un peu du charme dans sa voix, elle arrange un peu ses articulations, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je disais qu'une sorte de ta bouche, aucune parole mauvaise, aucune malédiction. Donc, quand la Bible nous dit aucune parole mauvaise, c'est qu'aucune malédiction. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Mais s'il y a lieu, si c'est possible, bien aimé dans le Seigneur, si c'est possible, il faut que ça sorte de bonnes paroles qui servent à l'édification, des paroles qui communiquent la grâce de Dieu à ceux qui l'attendent. Est-ce que tes paroles communiquent la grâce de Dieu à ceux qui l'attendent? Alléluia. Est-ce que les gens qui t'écoutent, les gens qui t'attendent, est-ce que tu leur communiques la grâce de Dieu? C'est ça la bonne question que nous devons savoir. Pour ça, il fallait que je puisse venir chez toi, que je parle avec le papa de ta fille et de tes filles. Hein. Comme ça, papa Charlie va me dire, est-ce que ces paroles sont douces, ces paroles sont des paroles de charme? J'aime bien, la Bible nous dit, de Salomo dit, de paroles de charme bouillonnent dans mon cœur, de paroles de charme. Il faut que ça sorte de bonnes paroles. Alléluia. Donc, nous avons parlé, il y a deux malédictions, la malédiction de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont maudites par Dieu. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont maudits par Dieu. Je parle de la malédiction de Dieu. Il existe une malédiction qui ne provient pas des hommes, mais qui provient de Dieu lui-même. Alléluia. La malédiction de Dieu, je parle de la malédiction de Dieu. Il y a des gens que Dieu a maudits. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a maudits. Si tu vis avec une telle personne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très difficile de vivre avec quelqu'un que Dieu a maudit. Quelqu'un qui est maudit par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont maudits par Dieu. Et quand tu associes ta vie avec une telle personne, toi aussi tu es sous la malédiction. Alléluia. La malédiction de Dieu, il existe. La Bible nous dit, quand Dieu est venu, il a regardé l'homme, il a dit, non, ce n'est pas possible. Je investis tellement dans cette relation. Je t'ai créé différent des autres. Je t'ai placé dans un jardin et je veux le meilleur pour toi. Mais comment tu peux me faire ça? Et par son amour, la Bible nous dit, Dieu dit à l'homme, tu dois quitter le jardin. Alléluia. Tu dois quitter le jardin. Et l'homme a été chassé du jardin d'Eden. Pourquoi? Parce que Dieu a empêché à l'homme de manger maintenant le fruit de la vie éternelle.
comme il était mauvais, il a fallu qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie éternelle. Et l'arbre de la vie éternelle a un nom, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach. C'est l'arbre de la vie éternelle. Quand nous le mangeons, nous avons la vie éternelle. Quand nous la consommons, nous avons la vie éternelle. Est-ce que as-tu déjà mangé de cet arbre? Est-ce que as-tu déjà mangé de fruits de cet arbre? Alléluia. Ils ont été chassés de la présence de Dieu pour ne pas toucher aux fruits de cet arbre, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, l'homme, et Dieu a déclaré de paroles sur l'homme, il a déclaré de paroles sur Satan, et il a déclaré de paroles sur la femme. Alléluia. Et le sol a été maudit. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que Dieu a maudit l'homme indirectement. Pour le diable, c'était direct, mais pour l'homme, c'était indirect. Donc Dieu est passé par le sol. Il dit le sol, le sol, le sol. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a une malédiction. La malédiction de Dieu, ce sont des gens qui peuvent travailler, mais ils ne réussissent pas. Alléluia. Donc ce sont des gens sur qui le ciel est fermé, donc il peut s'aimer, mais il n'a pas de moisson, il ne moissonne pas. Alléluia. Voilà bien aimé dans le Seigneur, c'est ce genre de personne, donc la malédiction de Dieu est dans sa vie. Il faut que nous puissions ôter cette malédiction, la malédiction doit être ôtée, la malédiction doit être brisée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. La malédiction de Dieu. Et nous avons dit, cette malédiction existe. Pour la briser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu puisses recevoir les saluts. Les saluts, bien maintenant, le Seigneur. Les saluts, j'aime ce que la Bible nous dit. Les saluts ne se trouvent à aucun autre nom. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Je voulais demander à quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es et que tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je crois de tout mon cœur que tu étais mort et maintenant tu es ressuscité pour me sauver. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, toi qui viens de faire cette prière avec moi, tu es né de nouveau, tu es sauvé. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc là maintenant, tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous retournons dans notre prédication. Bien maintenant, le Seigneur, nous devons comprendre que la chose la plus importante, c'est le salut. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui poses la question, es-tu sauvé? Si cette personne te dit, il n'est pas encore sauvé, faites-le tout, bien maintenant, le Seigneur, pour le faire accepter Christ dans sa vie. C'est la meilleure des choses que tu dois faire. Alléluia. J'ai accompagné certaines personnes dans leurs derniers jours. Et ce qui était important pour moi, ce n'était pas simplement que Dieu puisse les guérir, mais au moins que de m'assurer que là où ils vont dans une bonne place. Alors il a fallu que je leur fasse... Il a fallu que... Le français, d'accord? Il a fallu qu'ils puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc je devais me rassurer qu'ils étaient nés de nouveau. C'est ça la chose la plus importante, bien aimé dans le Seigneur. Même les personnes que Christ a ressuscitées, ils sont finis par mourir. Alléluia. La chose la plus importante, c'est le salut de l'âme. Est-ce que l'âme là est sauvée? Est-ce que l'âme là est guérie? Est-ce que l'âme là, bien aimé dans le Seigneur? Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler de malédiction de Dieu. Il y a certaines personnes que Dieu lui-même a maudit. Alléluia. Diable, ce n'est pas les hommes qui l'ont maudit, ce n'est pas les esprits qui l'ont maudit. C'est Dieu qui lui a maudit. Alléluia. C'est Dieu qui a déclaré que je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordiras, le talon. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ça c'était la malédiction de Dieu. Et nous avons dit, pour briser cette malédiction, il faut accepter Christ dans sa vie. Accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu deviens un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est plus sous la malédiction de Dieu.
Oh non, là, tu vas combattre la malédiction de ta famille, la malédiction de tes ancêtres, les autres malédictions dont on aura parlé. Mais la plus grosse de malédiction, c'est la malédiction de Dieu. Parce que cette malédiction-là, il n'y a que Dieu qui peut le ôter. Soit maudit par les hommes, soit maudit par Satan, parce que leur malédiction sera brisée par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Mais quand Dieu te maudit, bien aimé dans le Seigneur, qui va te délivrer de cette malédiction? Il n'y a que le fait d'accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, devenir enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui va t'écarter, qui va t'épargner de cette malédiction. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc nous sommes en train de parler de malédiction. Nous devons faire très attention. Il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Regarde comment est-ce que tu te parles. Ah non, moi je ne réussirai pas. Ah non, bien aimé dans le Seigneur, nous parlerons des auto-malédictions. Il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont été maudits, mais par leur propre bouche. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Alléluia. Ce que tu seras demain, ça se trouve dans ta langue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lié quelques bonnes paroles, ah moi je suis une très belle femme. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'élouer. Tu dois, le matin quand tu te lèves là, tu te regardes dans la glace, tu dis waouh, ça c'est une belle créature de Dieu. J'aime David quand David dit, oh je te dis merci parce que je suis une belle créature. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand je te fais dans un lieu secret, tu sais dans le profondeur de la terre, tes yeux me voyaient et dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'est destiné avant qu'aucun de ces jours ne commence à exister. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te dire de bonnes paroles. Aujourd'hui, je vais rencontrer de bonnes personnes. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, mon travail sera excellent. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends? Il faut qu'il y ait de bonnes paroles. Alléluia. L'homme est le résultat de ses déclarations. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, de la même bouche sortent de bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Jacques chapitre 3, le verset 10, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu commences une relation, la relation vient à peine de commencer. Tu dis à l'homme, ah non, moi mais toutes mes relations se finissent toujours comme ça. Pourquoi tu prévois la fin de cette relation? Oh, je savais que tu finirais par partir. Moi, tous les autres partent seulement. Donc, c'est toi qui es en train de le chasser. Alléluia. Donc, c'est toi-même qui es en train de chasser la personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. La malédiction de Dieu. Nous sommes en train de parler de la malédiction de Dieu. Alléluia. Il faut prononcer. Il faut prononcer de bonnes paroles sur ta vie. Que les gens te maudissent. Mais toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, prononce de bonnes paroles sur ta vie. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Aujourd'hui, j'allais parler de la malédiction de la loi, mais comme je n'ai pas parlé, d'ici là à midi, nous allons nous retrouver et nous parlerons de la malédiction de la loi. Mais aujourd'hui, laisse-moi encore aller avec toi dans la malédiction de Dieu. Alléluia. Ne donne pas au diable le moyen de te maudire, le moyen de te détruire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Quand Dieu a eu besoin de la lumière, il n'est pas allé voir la société de Snell. Tu connais Snell un peu, non? Oui, la société qui était chargée de l'électricité chez moi au Congo. Je ne sais pas aujourd'hui c'est quoi le nom, mais bon, à l'époque où moi j'étais encore enfant, c'était la Snell. Hein? Nous on disait Snell. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Snell? Alléluia. Ah oui, voilà, bienvenue dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais dire. Alléluia. Donc voilà, donc il ne sorte aucune mauvaise parole de ta bouche. Il faut que toi-même tu bénis ta vie. Le matin, quand je me lève, je déclare des paroles de bénédiction dans ma vie. Je dis, je suis l'homme de Dieu, le plus grand, le plus beau, celui que Dieu est en train de lever dans cette nation. Dieu est en train de m'amener dans une place que personne ne peut me déboulonner, que personne ne peut me déboussoler. Je serai là où Dieu veut que je sois. Pour la vie, tu es béni de Dieu et personne ne peut dire le contraire. Sur ma vie, je déclare le ciel ouvert, le ciel déchiré au-dessus de ma tête. Je rentrerai là où mon père n'est pas pu rentrer. J'arriverai là où les autres n'arrivent pas. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Mes oreilles attendront parler de Dieu. Mes yeux verront Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir des visions. Ouvre mes oreilles pour que quand tu me parles, je puisse écouter. Que ta voix soit distincte dans mes oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare des paroles sur ma vie. Alléluia. Donc je ne suis pas surpris quand je vois la faveur s'attirer dans ma vie. Je comprends que c'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi le travail que je fais chaque matin. Alléluia.
sur le travail aussi que je fais chaque matin, attire. Oui, bien maintenant, le Seigneur, il y a une puissance derrière tes paroles. Nous élevons nos voix ce matin et nous bénissons le nom de Dieu. Là où tu es, élève ta voix et commence à bénir le nom de Dieu. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la vie que Dieu t'a donnée? J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Est-ce que tu peux lui être reconnaissant? Élève ta voix là où tu es, dis-lui merci. Dis merci à Dieu ce matin. Merci pour la vie que Dieu a renouvelée. Merci pour ce bonté dans ta vie. Nous sommes en train de bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. Élève ta voix là où tu es, continue. Oh, nous sommes en train de bénir l'Éternel notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix. Au nom puissant de Jésus, j'entends quelqu'un qui dit, Père Saint, je te loue ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi aujourd'hui la force de résister aux œuvres du diable. Alors j'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, donne-moi aujourd'hui la force de résister aux œuvres du diable, de résister à la séduction, de résister à la colère, de résister à tout ce qui est mal. Demande à Dieu de te donner la force ce matin de résister à tout ce qui n'est pas bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à bénir le nom de Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force, oh, de résister aux œuvres du diable. Donne-moi la force de résister aux œuvres du diable alors qu'il va essayer de s'infiltrer dans mon esprit. Donne-moi la capacité de résister à ses œuvres, de résister à ce mauvaise pensée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, je réprimande tout ce qui est négatif dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je réprimande toutes les mauvaises pensées, toutes les pensées sataniques, toutes les pensées qui ne t'honorent pas, toutes les pensées qui ne te glorifient pas. Je le réprimande ce matin, in Jesus' name. Nous sommes en train de réprimander toutes les mauvaises pensées, bien dans le Seigneur. Nous sommes en train de réprimander tout ce qui est négatif. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à réprimander tout ce qui est négatif. Commence à réprimander toutes les mauvaises pensées dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous voulons recommander cette journée entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander cette journée entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux recommander ta journée entre les mains de Dieu? Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, je recommande ma journée entre tes mains. Est-ce que tu peux recommander ta journée entre les mains de Dieu? Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Remets cette journée entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de bénir ta journée. Alléluia. La Bible déclare que c'est une journée que l'Éternel Dieu a faite. Elle soit pour nous un sujet de joie. Élève ta voix, commence à recommander cette journée entre les mains de Dieu. Du début jusqu'à la fin de cette journée. Recommande la journée entre les mains de Dieu. Commence à recommander, oui, cette journée entre les mains de Dieu. Que cette journée t'apporte le bonheur. Oh, que tu sois au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes circonstances. Nous déclarons que c'est une journée que l'Éternel a faite. Elle est pour toi un sujet de joie. Nous sommes en train de bénir cette journée, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare des paroles de bénédiction dans ta journée. Dieu merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force de résister aux œuvres du diable, la force de résister aux mauvaises paroles, la force de résister à tout ce qui est maléfique. Dieu à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force. Le Saint-Esprit, l'Esprit de force. Oui, bien maintenant le Seigneur, l'Esprit de force. Dieu merci, bien maintenant le Seigneur. J'entends quelqu'un qui dit, je réprimande tout ce qui est négatif dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à réprimander tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Réprimande-le maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, couvre-moi par ton sang, couvre-moi par le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous voulons invoquer la couverture du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Nous voulons invoquer la couverture, nous déclarons la couverture par le sang de Jésus-Christ, que ton âme, ton corps et ton esprit soient couvertes par le sang de Jésus. J'attends quelqu'un qui dit, Père éternel, couvre ma vie par ton sang,
Couvre ma vie par le sang de Jésus. Demande à Dieu de couvrir ta vie par le sang de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, couvre ma vie par ton sang. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, j'appelle la couverture de ton sang dans ma vie. J'appelle la couverture de ton sang dans la vie de mes enfants. J'appelle la couverture de ton sang dans la vie de chaque membre de ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à couvrir ta vie par le sang de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, que ma vie soit couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et monte encore avec moi dans la prière. Dieu est en train de couvrir ta vie par son sang. Sa vie est en train d'être couverte par ton sang. La Bible déclare, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise. Invoque les couvertures de sang de Jésus. Invoque la couverture de sang de Jésus dans ta vie. Invoque la couverture de sang de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux invoquer la couverture du sang de Jésus-Christ dans ta vie? Que Dieu te couvre ce matin. Que ta journée soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, je te bénis pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta fidélité. Alléluia. L'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te dis merci, merci pour ta fidélité. Alléluia. L'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté dans ma vie. Alléluia. Est-ce que je peux attendre quelqu'un qui dit, Seigneur, tu es fidèle? Oh, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, tu es fidèle? Merci pour ta fidélité. Je m'approche avec assurance du trône de ta grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. Merci pour ta fidélité. Je m'approche de ton trône des grâces et de miséricorde afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, merci pour ta fidélité? Oh, j'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, je te bénis pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci, 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 merci. Merci pour ta fidélité. Commence à dire merci à Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Le Dieu qui ne fait pas acception de personne. Le Dieu qui a intervenu dans ta vie, malgré tes faiblesses, malgré tes méchancetés, il intervient quand même dans ta vie. Est-ce que tu peux lui être reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes en train de bénir le nom de notre Dieu. Le secours ne manque jamais dans la détresse. J'attends que quelqu'un dit, Père éternel, tu es mon secours. Le secours ne manque jamais dans ma détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte. Tu dis avec moi, c'est pourquoi je suis sans crainte. Quand la terre est bouleversée, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand le mer chancelle, quand le flot mijusse, quand le flot de la mer, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avec moi, je suis sans crainte, quel que soit ce qui arrive, je suis sans crainte parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu as le contrôle. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux lui dire encore merci pour ta fidélité? Alléluia. Dis avec moi que toute main noire qui a l'emprise sur ma vie, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Je brise toute main noire qui a l'emprise sur ma vie. Toute main maléfique qui a l'emprise, la main qui vient voler dans ma vie, cette main satanique, la main de sorcier de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, cette main noire qui opère dans ma vie, dans mon ministère, cette main qui vient voler dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur, que cette main soit localisée et consumée par le feu de Dieu. Commence à neutraliser la main qui vole viole dans ta vie, la main qui détruit ta vie. Est-ce que tu peux la neutraliser maintenant? Nous sommes en train de prier contre la main de la sorcière, la main de cet occultiste, la main de cet homme qui vient détruire ta vie. Nous sommes en train de détruire toute main noire dans ta vie, hein, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main noire qui a son emprise sur ta vie soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier contre la main qui vient voler dans ta vie. La Bible nous dit, lorsque le voleur sera arrêté, il restituera cette fois ce qu'il avait volé. Au nom puissant de Jésus, détruis la puissance de la main maléfique dans ta vie. Cette main qui vient détruire ta destinée, allez détruire sa puissance maintenant, au nom puissant
nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute main satanique dans ma vie, toute main qui a l'emprise sur ma vie, je détruis cette main au nom puissant de Jésus-Christ. La main satanique qui veut ruiner ta vie, la main qui veut détruire tes affaires, la main qui veut détruire ton mariage, que cette main soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus. Que toutes les portes de l'enfer ouvertes contre toi se ferment maintenant au nom puissant de Jésus. Que toutes portes de l'enfer que le diable a ouvertes contre ta vie soient fermées maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute main noire qui touche à ta vie soit calcinée, confirmée par le feu de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de détruire la main noire, la main noire. La main de tous les sorciers qui touchent à ta vie. La main de tous les agents du diable qui touchent à ta vie. Détruis cette main maintenant au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit que toute porte de l'enfer ouverte contre ma vie à se ferme maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le porte de l'enfer se ferme. Il est écrit, le porte de séjour de mort ne prévaudra point contre l'Église. Que cette porte se ferme maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à fermer la porte. La porte satanique qui était ouverte contre ta vie, commence à te fermer cette porte. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, alléluia. J'attends quelqu'un qui dit avec moi, je ne verserai aucune larme de mes yeux. Au nom puissant de Jésus, je refuse de pleurer, je refuse de verser le larme des inquiétudes, le larme de peine, je refuse de le verser maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je déclare et je décrète la confusion totale dans le camp de tous ceux qui me combattent, dans le camp de tous ceux qui me poursuivent, dans le camp de tous ceux qui veulent mon malheur. Je déclare la confusion dans le camp de sorciers qui se sont levés contre ta vie. Déclarez la confusion, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 25, « Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. » Que la confusion quitte ta maison, que la confusion quitte ton mariage, que la confusion localise tes ennemis, que la confusion soit dans le camp de tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète la confusion totale et la honte dans le camp de ceux qui veulent ma vie, de ceux qui mettent des bâtons sur dans mes roues. Alléluia. La confusion soit totale dans le camp de ceux qui mettent des bâtons dans tes roues. De ceux qui veulent pas que tu réussisses, de ceux qui cherchent ton malheur, de ceux qui cherchent ton divorce, mettez la prière, bien dans le Seigneur, alléluia. J'attends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je recommande ma vie entre tes mains, je recommande ma vie entre tes mains, j'ai besoin de toi, bien dans le Seigneur. Élève ta voix et dis à Dieu combien tu as besoin de lui, invoque sa présence dans ta vie, dis-lui, Seigneur, remplis-moi de ta présence. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, j'appelle à ta présence ce matin, inonde-moi par ta présence, appelle la présence de Dieu dans ta vie, bien dans le Seigneur, invoque le Saint-Esprit, dis-lui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle total de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux l'appeler maintenant? Appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, appelle le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles prophétiseront, et le vieillard aura même de vision. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le Saint-Esprit dans ta vie, dis-lui, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens comme une colombe, descends sur mon épaule, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta plénitude, remplis-moi de toi, fais-moi disparaître et que toi tu apparais à travers de moi. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie? Dis-lui, Saint-Esprit, descend comme une flamme de feu. Viens consumer toutes les semences que le diable a semées dans ma vie. Tout ce qui avait été semé par le sorcier dans mon corps, consume-le maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends quelqu'un qui fait appel au Saint-Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Appelle le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit infiltre ton esprit, ton corps et ton âme. Invoque le Saint-Esprit de Dieu.
Garde-moi dans ta divinité, afin que mes pensées soient de bonnes pensées au nom puissant de Jésus, et que le pensée négatif ne surgisse pas dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Appelle le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, ma sœur. Enfin, que ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est louable soit l'objet de vos pensées. Nous appelons le Saint-Esprit de Dieu dans tes pensées. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, change ma manière de penser, change ma manière de voir les choses, change ma manière de penser. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi à changer ma manière de penser, que je ne pense pas comme mon ennemi, au nom puissant de Jésus. Ah, oh Dieu de gloire, change ma manière de penser. Que le diable n'ait aucun manière de rentrer dans mes pensées. Que le diable n'arrive pas à rentrer dans mes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, demandez à Dieu de changer ta manière de penser. Alléluia. Nous sommes en train de demander la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La présence du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est présent, c'est l'absence totale du diable. Nous avons encore la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'impose sa présence au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, guide mes pensées dans le bon sens. Guide mes pensées dans le sens positif. Demande à le Saint-Esprit de guider tes pensées maintenant. Dieu, Saint-Esprit, guide mes pensées, guide mes pensées, guide mes pensées. Alléluia. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, Saint-Esprit, guide mes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu change le schéma de tes pensées, que Dieu enlève toutes les pensées qui ne le glorifient pas. Aujourd'hui, nous voulons penser comme Dieu, nous voulons réfléchir comme Dieu, que toutes les pensées qui n'honorent pas Dieu soient effacées maintenant. In Jesus' name, au nom puissant de Jésus. J'attends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, aide-moi à me concentrer sur toi et sur mes promesses. Alléluia. Seigneur, aide-moi à me concentrer sur toi et sur les promesses que toi tu m'as données. Alléluia. Change ma manière de penser. Change ma manière de voir les choses. Seigneur, je te prie aujourd'hui, donne-moi le pouvoir de contrôler mes pensées. Est-ce que tu peux dire à Dieu, donne-moi le pouvoir de contrôler mes pensées. Donne-moi le pouvoir de contrôler mes pensées. Demande à Dieu de te donner le pouvoir de contrôler tes pensées. J'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, donne-moi le pouvoir de contrôler mes pensées. Je vais contrôler mes pensées. Alléluia. Oh, c'est quelque chose de très important, cette prière. Alléluia. Si tu pouvais simplement contrôler les pensées, si tu pouvais être capable de le contrôler, demande à Dieu de te donner ce pouvoir, que tu arrives à contrôler tes pensées, que tu conduis sur le chemin que toi-même tu veux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons briser le chaîne de pensées négatives, le chaîne de pensées sataniques. Nous allons détruire toutes les mauvaises pensées, le pensée qui vient du diable, le pensée des découragements, le pensée de l'échec, le pensée qui n'est pas de Dieu. Nous sommes en train de le détruire maintenant. Allez, commence à détruire le pensée qui te dit que tu ne réussiras pas, que cette voix maléfique qui souffle dans tes oreilles pour te décourager, s'éteise maintenant in Jesus' name. Il y a une voix qui te parle, que cette voix-là s'éteise maintenant, que la voix des sorciers, la voix du diable qui te parle dans tes oreilles pour te décourager, libère tes pensées maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour la paix. Oh, j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour la paix. Prince de paix, shalom. Le Dieu de paix, merci pour ta présence dans ma vie. Allez, demande à Dieu de te donner la paix. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la paix. Brise le chaîne de pensées négatives. Donne-moi des pensées positives, de pensées qui t'honorent, de pensées qui m'avancent, de pensées extraordinaires. Demande à Dieu de te donner des pensées positives. Demande à Dieu de te donner des pensées positives. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de déclarer, déclare-le maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en train de le déclarer maintenant, in Jesus' name, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Écoutez-moi bien, le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu n'est pas indifférent de ta souffrance, alléluia. Dis-lui, Seigneur, descends et agis dans ma vie. Je sais que tu n'es pas indifférente à ma souffrance. Je t'invoque ce matin. Descends, étends ta droite puissante et triomphante sur tout le pharaon qui refuse de me laisser partir.
Tu ne pends indifférent à ma citation. Étends ta main puissante, ta main glorieuse sur la vie de tout pharaon qui refuse de me laisser partir. Les esprits qui me poursuivent, les démons têtis qui ne veulent pas me laisser partir. Dieu de gloire, étends ta main et confonds-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce pharaon qui ne veut pas te laisser partir, ce sorcier de ta famille qui refuse de te laisser t'en aller, que Dieu se charge de lui maintenant, au nom puissant de Jésus, cet esprit qui veut que toi tu demeures l'air esclave, que Dieu se charge de eux maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'attends quelqu'un qui dise, Père éternel, je dois témoigner ta grandeur en ce jour. Aujourd'hui, je veux témoigner ta grandeur. Je veux témoigner ta grandeur. Demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, j'attends témoigner ta grandeur. Ouvre pour moi les portes. Que ce qui a programmé et ce qui a été programmé pour moi au ciel s'accomplisse maintenant. Alléluia. Que l'ange qui est chargé avec ton colis te localise maintenant. Que ce que le ciel a préparé pour toi, tu puisses les avoir maintenant au nom puissant de Jésus. Tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu. Tu parles à Dieu, tu dis, Seigneur, merci pour cette bonne journée. Merci pour cette belle journée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bienvenue dans le Seigneur, dans tous les domaines de ta vie. Hein. Prie et demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Que Dieu touche le cœur de tous ceux qui te doivent de l'argent. Que Dieu touche le cœur de tous ceux qui doivent aider ta vie. Que Dieu touche le cœur de toutes les personnes. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Que cette journée soit une excellente journée pour toi. Que cette journée soit une journée de faveur divine pour toi. Nous sommes en train de prier pour la journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en train de recommander ta journée entre les mains de Dieu, bienvenue dans le Seigneur. J'entends quelqu'un qui dit, je reçois ma guérison complète, je reçois ma santé complète, je reçois mon colis, tout ce qui avait été préparé pour toi, bienvenue dans le Seigneur, est-ce que tu peux le recevoir maintenant? Est-ce que tu peux recevoir ce que le ciel avait programmé pour toi? Au nom puissant de Jésus, tout ce qui avait été planifié dans le séjour de mort, dans l'enfer, dans la maison de la sorcellerie ancestrale, nous le révoquons et nous l'annulons maintenant. Nous le révoquons et nous les annulons maintenant. Nous le révoquons et nous les annulons maintenant. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour ma vie. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour ma vie. Tu recommandes ta vie entre les mains de Dieu. Tu recommandes tes enfants entre les mains de Dieu. Tu recommandes ton mari entre les mains de Dieu. Tu recommandes ta femme entre les mains de Dieu. Que cette journée vous soit belle. Que cette journée vous soit favorable. Que cette journée vous soit excellente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez-moi bien, le Seigneur, nous sommes en train de prier. Celui qui avait accepté de laisser son trône vide et qui est descendu là sur la terre pour toi, comment pourra-t-il nous refuser ce que nous lui demandons? S'il pouvait laisser son trône vide et descendre, bien dans le Seigneur, il ne pourra jamais te refuser quelque chose. Nous sommes en train de prier pour cette bonne journée. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tu dis avec moi, j'annule toutes les paroles de malédiction que je me suis prononcées. Je retire et je révoque cette parole que moi-même, je me suis prononcée. Ces paroles que le diable s'est servi pour détruire ma vie, les paroles que moi-même je prononçais et que l'ennemi s'est servi pour détruire ma vie, je lui retire ces paroles, j'annule ces paroles maintenant, j'annule toutes les paroles de haine, de malédiction que je me suis prononcées. Que ces paroles soient annulées, que ces paroles soient révoquées maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux révoquer ces paroles maintenant? Alléluia. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as donné ta vie éternelle. Merci parce que tu as ôté de ma vie ta malédiction. Je suis dans la bénédiction parce que je t'ai donné ma vie. Parce que tu es mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour cette journée qu'il a ajoutée dans ta vie. Qu'elle soit pour toi une excellente journée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Créateur, tu es mon Père, je suis ta fille, je suis ton enfant. Traite-moi dans ta miséricorde, traite-moi dans ta compassion. Que la journée d'aujourd'hui soit une très bonne journée, que je rencontre de bonnes personnes, que je sois au bon endroit. Seigneur, que les gens soient appelés à me bénir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, toutes les personnes que le diable a éloignées de ma vie, fais-le revenir. Que les anges aillent chercher de gens que le diable a écarté de ta vie, que ce genre-là puisse revenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Nous bénissons Dieu pour ce bon moment. Nous bénissons Dieu pour ce cadre. Nous recommandons cette journée entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de bénir ce programme précédé Laurent, que Dieu donne la force à son serviteur de continuer encore à de nous amener dans sa présence. Nous recommandons ta journée entre les mains de Dieu. Toi qui es dans le volant de ta voiture, est-ce que tu peux élever ta voix et dire avec moi, Père éternel, ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 121, le verset 6, tu garderas le départ et l'arrivée de tes enfants maintenant et à jamais. Dis avec moi, Père éternel, ta parole déclare dans le livre de Psaume, chapitre 121, le verset 6. Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Père éternel, garde mon départ, garde mon voyage, garde mes déplacements dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux recommander tes déplacements entre les mains de Dieu? Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 121, le verset 8. Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Que je voyage par avion, que je voyage par le bateau, que je voyage par la voiture, je sais que j'arriverai au bon port. Je sais que j'arriverai parce que Dieu est avec moi et il gardera mes déplacements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu gardera tes départs et ton arrivée de maintenant et à jamais? Est-ce que tu peux déclarer Dieu gardera mon départ et mon arrivée de maintenant et à jamais? Nous voulons recommander ta journée entre les mains de Dieu. Tu as rendez-vous avec ton médecin, prie pour que Dieu te précède dans ce rendez-vous. Tu as rendez-vous avec quelqu'un, oh, tu dois faire tes ongles aujourd'hui. Ok, recommande ces rendez-vous entre les mains de Dieu. Oh, tu vas faire les déplacements pour aller acheter à manger. Que ces chemins que tu vas emprunter soient aplanis par le sang de Jésus. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Tu as dit, Seigneur, bénis ma journée. Bénis ma journée. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 3, le verset 6, 4 et 9, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille car l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu ouvre la porte que l'ennemi avait fermée dans ta vie, que le programme de l'enfer soit annihilé et que le programme de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, on se donne rendez-vous à midi. À midi, je serai connecté, oui, à partir de l'église, je serai là. Il n'y a pas d'entretien, bien sûr, mais je serai là pour la prière. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Une très bonne journée à toi, ma sœur. Une excellente journée à toi, mon frère. Que Dieu bénisse ta journée. Alléluia. Et n'oublie pas, demain, nous avons réunion. C'est-à-dire, demain, c'est vendredi, samedi, non? Oui, nous avons réunion. Tous les fils et les filles de la Divine Alliance, nous avons réunion à la Divine Alliance de Bruxelles pour voir un peu comment est-ce que nous sommes en train de reprendre tout le programme. Et nous allons présenter aussi le nouveau programme que nous avons mis en place. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui priez avec moi. Que Dieu vous bénisse. Portez-moi dans vos prières. Priez pour moi, priez pour mon couple, priez pour mes enfants, priez aussi pour moi. Et la semaine prochaine, le 26 juin, c'est mon anniversaire. Le 26 juin, c'est mon anniversaire. Je suis né le 26 juin 1974, donc ça sera mon 46e anniversaire. Donc si Dieu te met à cœur de me dire un coucou, de me dire un bonjour, je ne manquerai pas de bénir Dieu pour ta vie. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Et si tu as un cadeau, pourquoi pas, tu m'envoies ton cadeau et ça me fera un grand plaisir. Donc le 26 juin, c'est mon anniversaire. Le 25 juin, c'est l'anniversaire de mon fils Adonai. Et le 27 juin, c'est l'anniversaire de mon fils Archange. Donc 25 Adonai, 26 Papa et 27 Archange. Donc nous sommes tous nés. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Merci à vous. Une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Alléluia. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.